Madame Totino? Oui, Melba Totino, c'est moi. D'après vous, une personne aurait disparu? Pas une personne, trois. Ma fille, son mari et ma petite fille. Partis. C'est vraiment horrible, ils ne sont jamais revenus. Ce n'est qu'un chat. Non, je n'appellerai pas ça comme ça. Un rendez-vous galant, ça se planifie, mais ce déjeuner sur le pouce est improvisé. Par contre, dès qu'on partage un repas, le rendez-vous devient tout de suite galant. Citez votre source. Bien sûr, il s'agit de la très rusée Aurora Teagarden en personne. Donc pour toi, ça n'est pas un rendez-vous? Si, Martha, c'en est un. Mais ça ne l'est pas davantage qu'un rendez-vous chez le dentiste. 21 rendez-vous. Tu les as comptés? C'est trop mignon. C'est parce que ta mère a établi une règle pour savoir quand on peut se considérer officiellement en couple. Ah, très rusé de ta part. Ma mère a des règles pour tout et pour tout le monde. Mmh. Y compris pour ceux qui ont rendez-vous avec elle et qui sont en retard. Quoi? Encore 4 rendez-vous, mademoiselle, et vous serez officiellement ma petite amie. Et encore 5 minutes et ma mère va me renier si je ne pars pas. Et donc vous faites ça chaque mois? Aïda te fait visiter des maisons? Ce qu'il y a de nouveau sur le marché. En vérité, j'ai envie de m'établir pour de bon, depuis que j'ai hérité de mon amie Jane Engel. Non, tu es une femme fortunée. Assez pour acheter une maison. Mais je n'ai encore rien trouvé d'intéressant. Je nous verrais bien choisir une maison ensemble un de ces jours. Je dirais qu'il faut au moins 50 rendez-vous avant de pouvoir parler de ça. Ça me va. Je suis très patient. Mais pour que les choses avancent, que dirais-tu d'un dîner à mon retour de voyage d'affaires? Ça, c'est un rendez-vous galant. Tu as vu la nouvelle maison, Ruhelm? Oui, elle est très jolie. J'y suis allée hier. Toutes ces fenêtres. Oh, mon Dieu, c'est si lumineux et aéré. Trop de fenêtres. Ce n'est pas bon. Ça n'a aucun sens. Voyons, tu ne peux pas être anti-lumière. En fait, je suis plutôt pro-mur. Il m'en faut pour mes bibliothèques. Tu sais très bien que j'ai beaucoup de livres. Débarrasse-toi de tes sinistres bouquins de meurtres et autres horreurs et tu auras de la lumière. En voilà une qui ne manque pas de mur. Oh, il y a un petit coin lecture. Ça me fera une super bibliothèque. Mais ce n'est pas une des miennes. Et puis, ce n'est pas du tout l'idéal pour une femme seule. Pourquoi? Elle est charmante. C'est à 8 km de la ville. Sans compter qu'elle est vieille. Tu vas te ruiner en frais de chauffage. Maman, je veux la voir. Je t'en prie. Par ici. Je pense que le terme isolé conviendrait mieux. Oh, et ce porche! Tu imagines s'installer là devant cette vue superbe? J'ai comme une impression de déjà-vu. C'est parce que tu viens de la regarder en photo pendant 20 minutes. Non, c'est autre chose. Tu as toujours été une tête de mule. Toujours.
Cet endroit est magnifique. Oh, la vue de la chambre principale est sublime. Tu sais combien de bibliothèques je peux mettre ici? Mais c'est beaucoup trop loin de la ville. Tu devrais faire la navette. Quoi? Oh, c'est à 10 minutes du centre-ville, maman. Non, je crois que c'est celle-là. Oui, j'ai enfin trouvé la maison de mes rêves. Non, il faut en voir un peu plus. Non, 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 non. Ça fait des mois qu'on cherche. Non, c'est ça. Oui, je vais faire une offre. Tu sais que même si le client accepte ton offre, tu auras encore 3 jours pour changer d'avis. Quoi? Non, je sais que je fais le bon choix. Ça aussi, ça me dit quelque chose, cette cuisinière. Oh, je sais! Oui, je l'ai vue dans le journal. Tu te rappelles cette famille portée disparue? Il y a 3 ou 4 ans, ils sont sortis dîner avec un ami et on ne les a plus revus. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Oui, la famille Julius. Oui, le journal en a parlé et la grand-mère a pris une photo juste là. C'est la maison des Julius. Non, elle appartient au Totino. Oui, ça c'est le nom de la grand-mère. Eh bien, si une tragédie s'est produite ici, l'agent responsable de l'inscription aurait dû le dire et je devrais déchirer cette offre. Non, maman, il ne s'est rien produit ici. On pense qu'ils étaient en voiture, qu'ils ont fait une sortie de route et qu'ils seraient tombés dans un ravin. Je me demande si on a retrouvé les corps puisque la maison est en vente. Tu as toujours eu une curiosité malsaine. Toujours. Allez. Beaucoup de gens pensent que c'est la jalousie qui aurait poussé Holly Crippen à tuer sa femme et à l'enterrer dans la cave. Et Cora continuait d'avoir une aventure avec un de leurs locataires. Mais le docteur Crippen était tout sauf fidèle. En fait, il s'était entiché d'une dactylographe du nom d'Ethel Neve. La maison des Julius? T'es sérieuse? C'était bien vu pour l'affaire Crippen, John. On dit que cette maison attire encore énormément de touristes à Londres. Je parie que vous iriez si vous étiez là-bas. Oh, elle n'a pas besoin d'aller loin pour voir une scène de crime célèbre. Elle va peut-être en acheter une. Hein? Oui, la maison des Julius. Vous vous rappelez cette famille disparue il y a environ 4 ans, pas très loin de la ville. Et ce n'était pas un meurtre. Ça, personne ne le sait. Je me souviens de l'histoire. Un ancien officier de Spokane qui a emménagé ici, n'est-ce pas? Oui, sa fille... Elle s'appelait Charity. Elle était à mon école. Beaucoup de gens pensent que ça pourrait être un crime. Mais la police a fini par classer l'affaire. N'empêche, c'est super d'habiter une maison où un mystère plane toujours. Non, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais où est passée ta passion pour les mystères? Tu te sens bien? Quoi? Non, pour moi, ce qui compte le plus, c'est d'avoir enfin ma propre maison. J'ai envie de peindre les murs et d'installer des bibliothèques partout et... Oui, maman? Je suppose que je dois te féliciter, Aurora. Quoi, je l'ai eu? Oui, Madame Totino a accepté l'offre que tu lui as faite. C'est vrai. Archives du Lauriston Times. Rien de neuf dans une affaire locale. 3 personnes disparues, aucun suspect. Les chances de les retrouver diminuent. La famille Julius, un mystère qui reste entier. Vraiment excellent, ton dernier papier. Oh, merci, Mason. De rien. Ah, la famille Julius. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mon amie Aurora vient d'acheter leur maison. J'ignorais qu'elle était à vendre. On a retrouvé les corps? Je l'ignore, mais c'est bien ton article, non? Tu avais couvert l'affaire? Avant de passer rédacteur en chef, ça m'a valu quelques nuits d'insomnie. Ils sont allés à un dîner avec un soi-disant ami de Spokane, et ils ont disparu. J'étais près du photographe quand il a pris cette photo. Regarde, Hope Julius se battait contre le cancer. Elle avait quelques perruques. Sa mère a dit que celle-là était sa perruque du dimanche. J'en ai des frissons. C'est tellement triste. Tu sais quoi? J'aimerais que tu écrives la suite de l'histoire. Commence par la vente de la maison et reviens sur l'affaire de la disparition. Comment elle s'est terminée? Ça pourrait être très intéressant. À condition de bien s'appliquer. Je te remercie. Il n'y a pas de quoi. Ah! Bonjour. La vendeuse rencontre l'acheteuse.
Madame Totino, je vous présente Aurora Teagarden. Madame Totino, j'ignorais que vous viendriez jusqu'ici signer les papiers. Vous n'habitez pas Portland? Si, avec ma sœur Alicia, mais Monsieur Rancart a dit que je devais parler au... Au juge des successions, Melba. Vous avez des choses à régler à la cour. Alors, retournez à Peachtree, et cette vente va se conclure comme un charme, d'accord? Très heureuse d'avoir pu faire votre connaissance. La maison est magnifique. Ne la changez pas trop si possible. Si jamais ils reviennent, j'aimerais qu'ils puissent la reconnaître. Promettez-moi de ne pas trop la changer, s'il vous plaît. Merci d'être venue, Melba. Je pense que votre taxi doit être là. Oh, bonjour, Aïda. Bonjour. J'arrive tout de suite, d'accord? D'accord. Qui est avec Booba? Cette femme est hantée par le passé, je n'avais jamais vu ça. J'aimerais vite régler cette affaire. Mon cher Booba, tout comme nous. Mais pourquoi Madame Totino croit que sa famille pourrait réapparaître? Comment elle peut songer à vendre s'ils ne sont... pas morts? Eh bien, le tribunal a déclaré qu'ils étaient présumés morts. Ça m'a pris du temps pour convaincre Madame Totino. Oh, donc... la famille n'a pas été retrouvée? Aurora, pas d'insinuation lugubre, je t'en prie. Mais j'étais sûre qu'on les avait retrouvés. Ça m'étonne qu'ils soient encore portés disparus. Légalement, ce n'est pas le cas. Et la propriété de la maison a été transférée à Madame Totino. Et maintenant à toi. Bienvenue chez toi. C'est un endroit riche en histoire. C'était la maison des Zinser avant que Tissy Julius l'achète. C'est Walter Zinser qui l'a construite. Oui, à l'époque où j'ai travaillé pour lui et Madame Zinser dans leur pharmacie. Ouf, ces disputes qu'ils avaient pendant la construction. En fait, Madame Zinser ne jurait que par la symétrie. On lui a fait un placard pour sa collection de poupées. Et elle a décrété qu'elle n'aimait pas l'emplacement de la porte. Donc, elle l'a condamnée. Alors il y aurait un placard caché dans cette maison? Quelque part à l'étage, si je me rappelle bien. Oh, la police l'a sûrement cherché quand la famille a disparu. Il fallait que tu lui racontes cette histoire, n'est-ce pas? Ah, je fais la conversation, maman. Non, là tu cherches les ennuis, ce qui est ta spécialité. Je vais donner la plupart des meubles pour mettre les miens, mais je pense en garder quelques-uns. Alors? Je pars en voyage d'affaires une semaine et tu en profites pour déménager hors de la ville. Ce n'est pas si loin. J'aimais bien passer devant chez toi et voir ta petite voiture. Mais ici, la route est jolie. Heureusement pour moi. Ok, mais que penses-tu de la maison? Eh bien, je n'ai aucun mal à nous imaginer confortablement assis et profitant de la chaleur du poêle à bois. Je nous imagine bien, moi aussi. Ta maison est très belle. Oh, j'adore dire ça. Ma maison. Enfin, je crois que c'est la mienne. Je ferais quoi si les anciens propriétaires revenaient chez eux? Oh, c'est vrai. Ils auraient disparu? Mm-hmm. Écoute, j'ai gardé 2 ou 3 contacts dans les services secrets. Je peux faire quelques recherches, du moins pour voir s'ils étaient protégés par la police. Merci, mais non. Non, je ne veux pas m'attirer d'ennuis. J'ai enfin une maison à moi. Il y a aussi cet homme formidable, censé devenir mon petit ami dans 4 rendez-vous. En fait, c'est plutôt 3. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça compte pour un rendez-vous. Je croyais qu'il fallait manger pour ça. Je suis sûr qu'il me reste 1 ou 2 bonbons dans ma poche. Un article sur les Julius? J'ai vraiment hâte de lire ça. Oui, c'était une affaire... vraiment étrange. Je voudrais parler au responsable de l'affaire, histoire d'obtenir des détails sur l'enquête. Eh bien, c'était Pete Lambert, mais il est retraité au Costa Rica depuis quelques années. Ou au Belize. Enfin, j'y ai travaillé un peu aussi, pour écarter la thèse du cambriolage. Oui, mais quelqu'un a bien dû faire des recherches sur leur disparition. Oui, en effet. C'était le lieutenant Smith. Oh, Lynn. Oh, elle est dans son bureau? Oh que oui. D'accord. Merci. Pas de quoi. Madame Totino ignore l'identité de l'homme avec qui la famille est sortie dîner.
Elle n'a pas vécu avec eux à Spokane. Elle était venue là parce que sa fille était malade. Ah oui, mais ça n'a dit que Hope Julius faisait de la chimio. Donc, Madame Totino, c'est juste qu'ils sont partis dans une berline blanche avec cet ami. On n'a pas trouvé qui c'était ni obtenu de renseignements sur la voiture. Alors, la thèse la plus crédible, c'est celle de l'accident, ce qu'on découvrira un jour. Mais depuis le temps, on devrait les avoir retrouvés. Ça dépend de leur trajet. Et il y a beaucoup de forêts au sud et à l'est d'ici et de profonds ravins. Non, il fallait classer l'affaire. Et j'ignore pourquoi vous vous entêtez à revenir dessus. Oh, leur maison a été vendue, mais ça ne vaudrait un suivi de l'histoire. Eh bien, elle risque d'être courte parce qu'il n'y a rien de nouveau. Ce sera tout. Bon. Merci de m'avoir reçue, Lynn. Ils sont à remettre dans 3 semaines. Bonne lecture. Oh tiens, Liliane, ça ne t'embête pas si je pars plus tôt? Je vais faire des travaux dans ma nouvelle maison. Ce n'est pas le meilleur moment pour déménager. Je suis en vacances 3 jours la semaine prochaine. Oui, je sais. Tu es consciente que je ne vais pas changer mes heures parce que tu as acheté une nouvelle maison. Je ne te demande pas ça. Je ne serai pas là chaque fois que tu auras une course à faire. Mais là, tu es là. Donc ça t'embête si j'y vais? Je suppose que non. Merci. Et bonnes vacances. Aurora? Ah, te voilà. Ta mère voulait que je t'aide, mais je vois que tu as déjà toute une équipe. En fait, j'ai besoin d'aide pour mesurer ce mur. Apparemment, Booba Renkart a dit qu'il y avait un placard caché à l'étage quelque part. Et je voudrais le trouver pendant que le menuisier est sur place. C'est l'anniversaire de ta mère dans quelques semaines. Oui. Je vais l'emmener au restaurant. J'ai prévu quelque chose ce soir-là. Je vais la demander en mariage. Avec ta bénédiction, bien sûr. John, bien sûr que tu as ma bénédiction. Oh, je sais à quel point tu l'adores. Et je crois qu'elle m'aime bien aussi. Mais assez pour m'épouser? Eh bien, c'est une femme très indépendante. C'est une qualité que j'admire. Je nous trouve bien assortis. Extrêmement bien assortis. Ces dimensions ne fonctionnent pas. Il y a trop d'espace ici. Plus de 60 cm. Le placard est peut-être dissimulé derrière cette bibliothèque. Peut-être, oui. Aurora, j'ai des questions à te poser pour mon article. Bonjour, John. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle cherche un placard condamné. J'espère que tu ne t'attends pas à retrouver les Julius. Quoi? Non, je m'attends juste à trouver de l'espace pour ranger mes affaires. Ces étagères sont placées vraiment bizarrement. Elle ouvre quoi, cette clé? J'en sais rien. Pas de quoi avoir peur. Elle doit provenir de la vieille collection de Madame Zinzer. Oh, Sally, une nouvelle amie. Oh, vraiment très drôle. Et si tu t'asseyais, que je te pose quelques questions? Oui, un instant. Qui d'autre sera dans l'article? Est-ce que tu as trouvé de nouveau sur la famille Julius? Malheureusement, non. Peu de gens les connaissaient. Ils n'ont vécu en ville que quelques mois avant de disparaître. On dirait que sa tête se défait. Ça, c'est parce qu'elle est vieille et qu'elle fait peur. Mets-la à la poubelle avant qu'elle nous jette un sort. Oh. Hé, il y a quelque chose au fond. On dirait une page qu'on aurait déchirée d'un journal. C'est le nom du petit ami de Charity Julius à Spokane. Ça vient donc du journal intime de Charity. La dernière phrase s'arrête tout net. Elle ne l'a pas fini. Regarde, ses derniers mots. J'ai peur de mon père. Charity Julius avait peur de son père? Ça date d'une semaine avant la disparition de la famille. Alors ça veut dire une chose.
La famille Julius n'a pas disparu par accident. Et ça veut dire une autre chose. Tu vas vouloir les retrouver. Il veut que je reste assise avec ma mère. On regarde de vieux films, mais je m'ennuie. Je voudrais tellement te voir, Harley, mais quand je lui demande si tu peux venir, il dit « repose-moi la question plus tard ». Sauf que quand je le fais, il finit par se mettre en colère. Je sais qu'il espérait que je t'oublie après le déménagement, mais ça n'arrivera jamais. Vous m'avez parlé d'un passage plutôt inquiétant. Ce sont des plaintes d'adolescentes, rien de plus. Je me sens tellement seule. Ma grand-mère s'inquiète seulement pour ma mère, pas pour moi. S'il refuse que tu viennes me voir, je ferai de l'autostop jusqu'à Spokane. Sauf que ma mère sera inquiète, ce que me reprochera mon père. Et là, j'ignore ce qu'il pourrait faire. J'ai peur de mon père. Charity Julius a écrit ce passage et l'a caché une semaine avant sa disparition. Elle dit qu'elle se sent seule, qu'elle est décidée à s'enfuir, qu'elle a peur de son père. En quoi ce n'est pas un nouvel éclairage? Oui, en quoi? On sait déjà que Charity et son père n'étaient pas en bons termes. Ça ne nous avance pas d'apprendre qu'elle trouvait son père trop sévère. Donc pourquoi faire de cette page une nouvelle preuve? L'affaire est classée, n'est-ce pas? Je vous fais une faveur, c'est tout. Est-ce que je peux vous citer? Non. Écoutez, il n'y avait aucune raison de ne pas classer l'affaire. Pete Lambert et moi n'avons trouvé aucun élément suspect. Croyez-moi, on a vraiment fait tout ce qu'on a pu à l'époque. Il va falloir interroger le voisinage. Non seulement on a fouillé la maison de fond en comble trois fois, mais on a aussi passé le terrain au peigne fin. On a regardé sous chaque pierre, chaque arbuste. On a vérifié l'ordinateur, les registres téléphoniques et bancaires. On a interrogé des douzaines de personnes, alors... D'ailleurs, à ce propos, le journal disait que la dernière personne qui a vu la famille en vie, à part Madame Totino, c'est Harley Dimmock. Charity a peut-être eu la permission qu'il vienne la voir. Oui, mais ça n'a dit que Harley refusait de parler aux journalistes, qu'il était bouleversé. Mais vous l'avez sûrement interrogé. Alors, on se disait que... Vous n'allez quand même pas me demander les notes d'interrogatoire. Non, bien sûr, je n'oserais pas faire ça. Mais si c'est vous qui le proposez... Vous pouvez me croire, il n'y a rien à propos de cette famille ou de leur passage à Lorenston qui sortait de l'ordinaire. À part le fait que le père de Charity l'effrayait. Alors, si jamais vous découvrez de nouvelles preuves concluantes, n'hésitez pas à m'appeler, d'accord? Comptez sur nous. Je viens de recevoir un texto de Mason. Apparemment, Harley n'était pas le seul présent ce jour-là. Il se trouve que Tissy a fait couler une dalle de béton derrière la maison. Et on sait qui livre le béton, n'est-ce pas? Parnell Wilson. Oui, sauf que Lynn l'a sûrement interrogé à l'époque, mais... Qui dit qu'il n'aurait rien de neuf à nous apprendre aujourd'hui? Il sera plus à l'aise de parler à quelqu'un qui n'est pas de la police. John, tu connais bien Parnell? Assez bien. D'accord. Pose-lui des questions sur cette dalle de béton. Et toi, Sally, essaie de trouver les coordonnées de Harley Dimmock. Toi, tu vas faire quoi? Parler à Madame Totino. C'est bien que vous soyez là. J'emballais un cadeau de bienvenue que j'allais vous envoyer. Oh, c'est gentil de votre part. Ce ne sont que des napperons que Hope avait achetés. Vous comprenez, je tenais à vous remercier pour la maison. Monsieur Hancart disait qu'il faudrait des mois pour la vendre. Déjà que je n'étais pas sûre de le faire. Si Tissy revenait et la voyait vendue, il ferait une crise. Oh, oui, votre gendre. Il s'emportait facilement? Oh, je dirais plutôt qu'il avait une volonté de faire. Il était entêté. Bien, ça devait être difficile pour votre petite fille, ça devait la contrarier. Charity? Oh, j'imagine. Mais elle avait son caractère. Elle refusait de sortir avec ses parents et leur ami ce fameux soir. Elle voulait rester là avec Harley, mais Tissy l'a mis à la porte. Ça a dû mettre Charity en colère. J'étais plus inquiète pour sa mère. Hope n'allait pas bien, elle avait passé la journée au lit. Mais elle est quand même sortie? Si seulement j'avais fait plus attention à l'endroit où ils allaient avec cet homme de Spokane. Je sais que la police vous l'a demandé plusieurs fois, mais quelle impression vous a fait cet homme? Je ne l'ai jamais vu, c'est ça le problème. J'ai apporté mon repas à ma chambre qui est au-dessus du garage avant son arrivée. J'ai vu sa voiture par la fenêtre et après je l'ai aperçu en train de serrer la main de Tissy. Il ressemblait à quoi? Je ne l'ai vu que de dos. Il avait les cheveux noirs, je crois.
Jacob disait qu'ils s'étaient rencontrés à l'église, ou peut-être que c'était à l'hôpital. C'est de ma faute. On les aurait déjà retrouvés si j'avais fait plus attention. Oh, non, non, non. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit. Vous êtes trop bonne. J'espère que le cadeau vous plaira. Attendez, une dernière question, s'il vous plaît, Madame Totino. Booba Reinkart m'a dit qu'il y avait un placard dissimulé quelque part dans la maison. Vous vous rappelez si votre gendre en a déjà parlé et dans quelle pièce il était? Désolée, mais je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Excusez-moi. Très bien, merci. John! Oh! Je viens tout juste de te laisser un message pour t'inviter à manger avec moi. Oh, c'est vrai? Oui. Ah oui, je vois ça. Je devais être en train d'appeler le bureau de Parnell Wilson. Ça y est? Tu vas enfin couler les fondations de cette fameuse remise dont tu m'as parlé? Non, je voulais discuter avec Parnell. Ça devait être vraiment important pour que tu ne remarques pas mon appel. Quoi, c'est Aurora? Je sais ce qui arrive quand vous mettez vos efforts en commun. Elle est obsédée par ce qui est arrivé au Julius, c'est ça? Et toi, tu l'encourages comme d'habitude. Aurora, non. Écoute, Parnell est parti. Il revient seulement demain. Ta mère m'en veut, je dois me faire pardonner. Demande à Martin. Tu m'aides à pousser le fauteuil? Quand je me demandais où installer les bibliothèques, j'ai remarqué ça. Quand tu m'as appelé pour t'aider, j'ignorais que c'était pour chercher un autre placard fantôme. Non, pas fantôme. Écoute. Ça sonne creux. Ah oui, c'est vrai. Tu pourrais enlever quelques planches, tu crois? Bien sûr. Salut, j'ai eu ton message. Je peux savoir ce que t'es en train de faire. Je crois que j'ai trouvé une autre pièce secrète. Pourquoi vouloir à ce point détruire ta nouvelle maison? Ces planches ne sont pas très bien clouées. Oh, j'en ai la chair de poule, je pourrais pas regarder là-dedans. Moi, si. Je t'en prie, dis-moi qu'il n'y a pas de cadavre. Ni de poupée. Non, y a rien de tout ça, je te rassure. Celle-là ne tenait qu'avec un seul clou. Fais attention. Tu vois quelque chose? Pitié, non, pitié, réponds. Non, ça me semble vide. Oui. Attendez. J'ai trouvé des serviettes ou des tapis. Et ils ont l'air... Ils ont l'air couverts de sang. C'est peut-être du sang. Ouais. En fait, ça peut être plein de choses. J'appelle tout de même la police scientifique pour inspecter ce placard. Vous n'allez pas emménager dans les prochains jours. Plus maintenant que je sais que c'est peut-être une scène de crime. Sauf qu'on est sûr de rien. Des serviettes souillées ne sont pas des preuves. Je préfère ne pas emménager. Au cas où. Très bien. Bon, merci de m'avoir prévenu. Je vous dirai si les tests révèlent quelque chose. Mais pourquoi avoir à peine cloué certaines de ces planches? C'est sans doute parce que quelqu'un s'est dépêché de condamner ce placard. Oui, il a dû partir à la hâte, après avoir nettoyé le sang. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Je crois que je vais prendre le poisson du jour. Tu es difficile à suivre, Aïda. Tu as accepté de dîner avec moi et maintenant tu es assise là, muette comme une carpe. Je t'en veux pour ce que tu as fait, pas pour ce que tu es. Est-ce que c'est si grave que ça de vouloir aider ta fille à résoudre un mystère? Oh, mais ma fille ne fait pas que s'intéresser aux mystères. Tu sais bien qu'elle les traque, qu'elle les saisit à la gorge et qu'elle les oblige à se rendre. Oui, mais comment... Tu sais combien de fois elle a failli se faire tuer en voulant aller trop loin? Alors raison de plus que je sois là pour l'aider. Pourquoi la laisser affronter ça seule? Tu n'as qu'à me voir comme un filet de protection. Tu savais que de faire vibrer ma fibre maternelle était le seul et unique moyen de me convaincre.
Donc, ça veut dire que tu es d'accord? Alors, ma mère a accepté que tu ailles à Spokane avec Sally? Non, c'est presque à 3 heures de route. Je ne peux pas vraiment m'absenter. Liliane sera en vacances. Oui, mais Parnell passera à la maison demain. Ok, merci, salut. Tu rassembles ton équipe de choc pour mener ton enquête? Oh, si c'était vraiment le cas, tu penses bien que j'appellerais le master du club des amateurs de meurtre et Péridel. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Ce n'est peut-être pas une si bonne idée non plus. Mais pourquoi tu dis ça? On a trouvé du sang. Donc, tu devrais faire une pause au lieu d'accélérer le rythme. Une minute. C'est bien Martin Bartel, ex-agent de la CIA, qui trouve qu'on se ressemble beaucoup et qui a de l'admiration pour mes talents de fin limier. Oui, c'est vrai, on se ressemble. Mais je veux que tu saches que je me suis déjà brûlé les ailes en reprenant une affaire non résolue que je croyais éteinte comme un volcan et qui était encore en activité. Eh bien, demain, je vais travailler à la bibliothèque pendant 6 bonnes heures et discuter avec celui qui a coulé une dalle de béton ici il y a 4 ans. C'est tout. C'est tout, hein? Alors, pourquoi prends-tu cet air-là? Quel air? Appelons ça l'air du grand frisson de la chasse aux énigmes. Oh, je t'ai déjà vu avec cet air-là 1 ou 2 fois. Est-ce que tu pourrais arrêter de me distraire? Jusqu'ici, tu as eu de la chance. Tu as coincé les méchants sans qu'il n'y ait de représailles ni même de prix à payer. Mais la chance pourrait bien tourner. Promets-moi d'être prudente. Oui, Martin, je te le promets, je serai très prudente. Voilà, on y est. Si seulement Harley m'avait rappelé, on n'aurait pas eu à le surprendre. Ah, c'est toujours mieux d'arriver incognito. Aurora savait ce qu'elle faisait en nous envoyant Perry, n'est-ce pas? Ouais, je vais faire parler notre homme. Je peux vous aider? Oh, Madame Dimock, bonjour. Oui? Bonjour, je suis Sally Allison, du Lauriston Times. Et voici mon collègue, John Queensland. Enchanté. Et notre homme... Photographe, Perry Dell. C'est ça. J'ai laissé un message à votre fils Harley, car j'espérais pouvoir lui poser des questions pour un article. Oh oui, je l'ai transmis. Il n'a pas appelé? Je n'ai pas eu de ses nouvelles, non, et puisqu'on publie bientôt, on a pensé qu'il valait mieux passer le voir chez lui. Je suis vraiment désolée, il aurait dû vous rappeler. Harley est parti il y a des années, à Vancouver, dans l'état de Washington. Pouvez-vous nous accorder quelques minutes de votre temps? D'accord. Allez-y, entrez. Merci. Attention. Ça, c'est une photo de Harley et Charity au bal de fin d'année. Ils formaient un beau couple. Ouais, c'est vrai. Oh, donc Harley est la dernière personne à avoir vu les Julius le jour de leur disparition, c'est ça? Oui, et ça a été un poids très lourd à porter. La police locale a débarqué chez nous, puis celle de Lauriston et la police d'État. Même des gens de la télévision sont venus pour l'interviewer. Vous vous rappelez ce jour-là? Celui où Harley est allé voir Charity? Oh, c'est comme si c'était hier. Harley était si heureux à l'idée de revoir sa petite amie adorée. Il a cru que tout était fini quand elle a déménagé. Ouais, j'imagine. Elle était super belle. À quelle heure il est parti pour Lauriston? Oh, juste après le petit déjeuner. Et à quelle heure il est rentré? Il était environ 21h. Je lui ai demandé comment ça s'était passé. Il a dit bien, malgré le peu de temps qu'il avait pu voir Charity. Il avait aidé son père à construire des coffrages en bois dans lesquels on coule du béton. Dire au revoir à Charity a été déchirant pour lui ce jour-là. Et il m'a confié que dès qu'elle obtiendrait son diplôme, il irait droit chez elle et il l'épouserait. À quel moment il a compris qu'elle avait disparu? Le lendemain, il lui a laissé un message, mais elle n'a pas rappelé. Ce qui n'était pas son genre. Elle donnait toujours de ses nouvelles. Il n'arrêtait pas de l'appeler et de lui envoyer des textos. Je suis sûre qu'elle va bien.
Il avait décidé de prendre une journée de congé pour retourner la voir le lendemain. Et puis quelqu'un a frappé à la porte. La police le cherchait. Voilà, c'est de cette façon qu'on a appris que toute la famille avait disparu. C'est si dur de voir son enfant souffrir. Oui, j'imagine. Il a arrêté de manger et aussi d'aller au travail, jusqu'à ce qu'ils le mettent à la porte, mais il s'en fichait. Ça a été vraiment terrible. Quel drame horrible. Je savais que le seul moyen pour lui d'oublier cette histoire, c'était de vivre quelque part où rien ne lui rappellerait cette fille. Un ami lui a offert de travailler à Vancouver, et il est parti. Il va beaucoup mieux maintenant. On s'appelle tous les dimanches. Il lui arrive encore de parler de Charity ? Pas beaucoup, non. Plus tellement. Il paraît qu'il a une nouvelle copine. Même si ça a été très difficile, j'étais heureuse qu'il soit enfin capable d'accepter que Charity soit partie pour toujours. Donc Harley pense qu'elle et sa famille seraient morts. Bien sûr. Il savait qu'elle l'aurait contactée si elle avait été vivante. Est-ce qu'Harley aurait mentionné par hasard certains problèmes entre Charity et son père ? En fait, personne n'avait de problème avec T.C. Julius. Il fallait faire ce qu'il vous demandait, à sa manière. Un point, c'est tout. Et puis tout était réglé. Tu te souviens, tu m'as proposé de vérifier si les Julius ont fait partie du programme de protection des témoins ? Oui, mais tu m'as dit que tu ne voulais pas t'attirer d'ennuis. Oui, eh bien, ça m'éviterait d'en avoir si je pouvais écarter cette possibilité. Je passerai quelques coups de fil après ma réunion. Toi, tu fais quoi ? Oh, j'attends la visite de Parnell Wilson, Monsieur Béton. Le matériau parfait pour cacher des cadavres, du béton frais. Oui, je me rappelle de cette dalle. Bien sûr, j'en ai parlé avec Pete Lambert au moins 5 fois. D'accord, alors, j'aimerais savoir une chose. Serait-il possible, d'après vous, qu'on ait dissimulé la famille sous cette dalle de béton ? Vous savez, quand il fait chaud, le béton sèche rapidement. On aurait pu marcher dessus quand je suis parti. Il aurait fallu un marteau-piqueur pour enterrer quelqu'un. Et ajouter une couche par-dessus ? Non, ils sont pas là. C'est quand même effrayant. Ces gens-là avaient l'air si normaux. Une famille entière ne peut pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Je suis arrivé vers 2h de l'après-midi. Charity Julius est venue me voir pour me dire que son père était à la quincaillerie. Mais que les coffrages étaient prêts et que je pouvais commencer le travail. Ce que j'ai fait. Oui, tout va bien. Si vous voulez du café, je viens d'en faire et en prendre un avec nous. D'accord. Ça m'a pris une heure et demie et je suis parti. D'accord. Attendez, vous n'avez pas vu T.C. Julius de toute la journée ? Non, il n'est pas revenu avant mon départ. Et ça ne vous a pas paru étrange ? En fait, les gens sont souvent au travail dans la journée, alors... On peut aussi se dire qu'un homme aussi exigeant que T.C. Julius aurait été là pour mettre son grain de sel, mais... Donc, vous avez vu Charity. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre, sa mère ou bien sa grand-mère ? Oui, je les ai aperçues toutes les deux par la fenêtre de la cuisine. Elles faisaient le ménage. Vous leur avez parlé ? Non. Mais à un moment, Hope m'a salué par la fenêtre. Elle était en train de laver le sol. Je me rappelle avoir pensé, si elle a l'énergie de faire ça, c'est qu'elle va sûrement mieux. Quand j'étais venu quelques semaines plus tôt lui montrer le devis, elle avait beaucoup de mal à bouger. Donc Hope Julius faisait le ménage ? Oui, oui. J'étais content de la voir remonter la pente. Elle s'était préparée pour sortir. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Oh, elle avait mis une perruque. Celle qu'elle portait à l'église. Oh. Tiens, salut. On vient d'arriver de Spokane. Alors, qu'est-ce que Harley t'a raconté ? Il ne vit plus là, mais on a parlé avec sa mère. Le pauvre, il a vraiment mal réagi quand Charity a disparu. Mais tu sais où il vit maintenant ? Il a déménagé à Vancouver, dans l'état de Washington, il y a un bout de temps. Mais on a trouvé étrange la façon dont Madame Dimock a parlé de T.C. Julius. Il y a quelque chose qui ne colle pas avec cet homme. En fait, je dirais que c'est toute l'affaire qui est bizarre. Je viens de parler à Parnell Wilson, et il semble que Hope Julius avait choisi de porter sa perruque du dimanche, le jour de sa disparition. Peut-être, mais elle devait sortir dîner, non ?
Sauf que sur une photo, on voit sa perruque du dimanche sur un meuble le lendemain de sa disparition. Donc s'ils ont effectivement pris la route pour sortir dîner... Par quel miracle cette perruque pouvait se trouver dans la chambre? Exactement. Tu pourrais retrouver cette photo? J'aimerais beaucoup en parler à Madame Totino. Je m'en occupe. Vous me demandez quoi exactement? Si vous vous rappelez quelle perruque votre fille avait mise pour sortir dîner ce soir-là. Parce que Parnell Wilson l'a vue avec sa perruque du dimanche plus tôt cette journée-là, mais on a trouvé cette perruque sur sa commode le lendemain. Je me rappelle qu'elle portait sa jolie perruque ce jour-là. C'était pour se remonter le moral. Oui, ça c'est l'autre chose. Vous avez dit qu'elle se sentait mal ce jour-là, mais Parnell a dit qu'il l'a vue faire du ménage et qu'elle avait l'air de se porter beaucoup mieux. Il ne sait pas de quoi il parle. Elle s'asseyait toutes les deux minutes pour reprendre son souffle. Est-ce qu'il m'a vu lui reprendre la serpillière et l'envoyer au lit avant qu'elle ne s'écroule par terre, non? Je suis fatiguée de ces personnes qui pensent tout savoir alors que c'est faux. Une femme a dit qu'ils avaient été enlevés par des extraterrestres. Je n'en peux plus. S'il vous plaît, partez. Allez-vous-en, je vous en prie. Alors même les gentilles dames âgées vous trouvent irritantes, vous et vos questions. Merci beaucoup de me rendre la tâche encore plus difficile. Pourquoi? Que voulez-vous dire? Je dois demander un échantillon d'ADN à Madame Totino pour voir s'il y a un lien de parenté. La serviette du placard? Imbibée de sang. Il n'y a que vous pour acheter une maison qui se transforme en scène de crime. Moi, ouais, que vous. Salut. Salut, désolé, je suis en retard. Non. Ma réunion s'est prolongée. Oh, c'est pas grave, ma réunion vient juste de commencer. Quelle réunion? J'espère que tu ne m'en veux pas, mais j'ai invité des membres du club des amateurs de meurtre à se joindre à nous. Avant que je revoie Lynn et qu'elle me confirme qu'il s'agit bien de sang, je me demandais si Tissy n'était pas plus opposé qu'on ne croit à la relation de sa fille avec Harley Dimmock. Il a peut-être voulu déménager pour les séparer. Et quand Harley est arrivée à la maison, Tissy avait déjà éloigné sa fille pour ne pas qu'il la voie. Intéressant comme théorie. Oui, mais si ce qu'on dit à propos de Tissy Julius est vrai, il aurait pu facilement effrayer le jeune homme pour qu'il reparte chez lui. Oui, et le sang dans le placard. Si bien sûr il est à quelqu'un de la famille, ça rend cette théorie improbable. Oh. Non, Tissy n'était pas un ange. Mais moi, je pense que c'est le conducteur de la voiture blanche qui les a tués dans ta nouvelle maison et qui a emporté les corps. Je suppose que la clé du mystère se trouve probablement à Spokane, avec l'homme à la voiture blanche. Eh bien, je serais ravi de me dévouer pour aller passer plus de temps à Spokane. Et tu comptes faire quoi à Spokane? Maman. Aïda, j'ignorais que tu étais là. J'avais remarqué. Je viens de terminer de dîner avec mon amie Booba. Elle m'a convaincu de vendre ma vieille maison au lieu de prendre de nouveaux locataires. Est-ce que tu connais tout le monde ici? Oh oui, oui. Ces chers amateurs de meurtre. Alors comment va Madame Totino? La présence du sang dans le placard condamné, ça a dû la bouleverser. Elle est sous le choc. Mais maintenant, elle peut au moins espérer que la police trouve des réponses. Ne pas savoir ce qui leur est arrivé, c'est ce qui l'a fait le plus souffrir. Oh, je pense avoir touché ce point sensible quand je lui ai parlé. Elle ne m'a rien dit. La succession, ça a été pénible pour elle. Mais elle recevra bientôt l'argent, alors ça aidera. Je croyais qu'elle avait déjà reçu l'argent de la vente de la maison. Ça, c'est trois fois rien à côté du reste. Elle touche l'argent des assurances-vie et elle hérite des propriétés des Julius. Oh, j'en savais rien. Eh bien, j'ignorais que ton petit club d'amateurs de meurtre se réunissait chaque semaine maintenant. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée, Aïda. Je ne peux pas aller à Spokane, mais je peux me renseigner sur les relations d'affaires qu'entretenait ici Julius. Peut-être que ça me mènera à un de ses associés. Je vais creuser du côté de Charity. Je connais des gens qui étaient à l'école avec elle. Aurora? Ça va? Oui. Booba vient de me dire que Madame Totino va bientôt hériter une somme importante des Julius. Oh
n'essaie même pas d'insinuer que cette adorable dame âgée aurait pu... Oh, que des grands-mères tuent leurs enfants et leurs petits-enfants pour de l'argent, ça me révolte. Ouais, et avec son petit gabarit, comment elle aurait fait? Mais ce n'est pas logique. Pourquoi faire disparaître les corps si elle voulait l'argent? Elle avait tout intérêt à ce qu'on les retrouve. Elle aurait eu cet argent il y a des années. Qu'en penses-tu, John? Eh bien, je pense que... je devrais essayer de rattraper ta mère. Aïda! Oh. J'ai réussi à te rattraper. Alors ça y est, tu m'as enfin remarqué. Il était temps. Je suis vraiment désolé. Je ne veux surtout pas que tu imagines que tu ne comptes pas pour moi. Ou que le club des amateurs de meurtre est plus important pour moi que toi. Oh. Voyons, John, tu n'as pas à me faire de grandes déclarations. Bien sûr que si. En fait, je réservais ça pour ton anniversaire, mais peut-être qu'une demande spontanée te prouvera à quel point je suis fou de toi. Oh. John Queensland, ne me dis pas que tu vas me demander en mariage dans la rue. Si, Aïda. Maintenant et ici même, je vais m'agenouiller à tes pieds. Oh. Aïda Tea Garden. Voulez-vous m'épouser? Non. Tu m'en veux pas trop d'avoir laissé tout le monde gâcher notre rendez-vous? Oh non, c'était très divertissant. Moi qui étais sûre que tu proposerais quelques théories sur l'affaire Julius, je me suis trompée. Eh bien, j'imagine que c'est votre façon d'analyser les mystères dans ce club. Vous vous réunissez, vous avancez des théories et vous cherchez des preuves qui les confirment. Dis plutôt que tu me prends pour un détective du dimanche. Oh, non, non, je sais que tu es vraiment douée pour élucider des meurtres. Mais mon expérience de terrain m'a appris que le talent ne vaut pas grand-chose sans l'intuition. Donc les agents de la CIA ne vont pas au restaurant pour avancer des théories? Si, bien sûr, mais les meilleurs d'entre eux savent à quel point elles peuvent être trompeuses. Si j'étais toi, je retournerais sur la scène de crime, je m'en imprégnerais, mais au lieu de chercher des réponses, je les laisserais venir à moi. Très bien, alors retournons là-bas. Demain, après le travail, allons jeter un coup d'œil. Ça nous fera un autre rendez-vous. D'accord. Je te retrouve chez toi demain après le travail. Oh, c'est John. Il a probablement une nouvelle théorie. Je vous laisse en discuter. À demain. Bonsoir, John. Comment? Tu... Elle a fait quoi? John veut t'épouser et tu as dit non? Et il a eu le culot de te le répéter. Maman. Je sais que tu aimes John, et de son côté, c'est évident qu'il est fou de toi. Ce n'est pas assez pour se marier. Qu'est-ce qu'il te manque? De pouvoir imaginer une vie saine et épanouie avec l'homme que j'aime. Écoute, je m'inquiète déjà assez pour ma fille qui a le don de se mettre en danger quand elle tente de résoudre des crimes. Pas question de faire pareil pour John. Oh, ce n'est pas à cause du club des amateurs de meurtre. Bien sûr que si. On aide les gens, tu le sais bien. Je te rappelle qu'on a arrêté des criminels et grâce à nous, des personnes sont restées en vie. John et toi, vous croyez que tout dépend de vous. Et ça, même si notre service de police est très efficace. Ça me dépasse complètement. Alors, je vais essayer de t'expliquer. Non, inutile, tu as déjà essayé plus d'une fois. En réalité, j'ai fait la paix avec ça. Et je suis fière que tu aies sauvé des vies grâce à ta détermination. Merci. Et John a... a toujours été présent pour t'épauler. Et il va continuer à le faire. Je lui en suis très reconnaissante, mais je ne l'épouserai pas. Quoi, comme ça, tu voudrais qu'il choisisse entre le club et toi? J'aimerais vivre autre chose, Aurora. C'est si difficile à comprendre.
passe? C'est qui? J'en sais rien. Il vient de m'attaquer. Ça va aller? Oui. Vous avez couru derrière cette camionnette, mais vous n'avez pas pris son numéro de plaque. Désolé, mon œil bionique fait des siennes aujourd'hui. Aurora, il n'y a pas de signe d'effraction. Vous êtes bien sûre que la porte était verrouillée? Oui, je pense. Je ne sais plus, à vous de le dire, c'est vous qui surveillez la maison. Peu importe comment il est entré, l'important c'est de savoir pourquoi il s'en prend à Aurora. Oui, c'est ce que j'essaie de découvrir. Si ça se trouve, il était là avant qu'elle arrive. C'est peut-être même un voleur et elle l'a surpris. Tu comprends maintenant ce que je voulais dire par des théories qui te font tourner en rond? D'accord. Alors, selon vous, cette agression est liée à ce qui a pu se passer ou ne pas se passer dans ce placard. Mais ne croyez pas... Ça me revient. Cette camionnette était garée près de la bibliothèque quand j'ai quitté le travail. Je l'ai vue parce qu'elle empiétait sur une place pour handicapés. Donc tu crois qu'il te suivait? Sûrement. Mais pourquoi? Dans quel but? Pour vous empêcher de faire quoi? Ça, c'est plutôt à vous de le découvrir. Ah, Aurora, pourquoi croyez-vous qu'il vous suivait? Je n'en sais rien. J'aimerais rentrer chez moi. Non, si quelqu'un te veut du mal, c'est le dernier endroit où aller. Va là où tu seras en sécurité. D'accord, je vais aller chez Sally. Donc, l'homme qui t'a suivi aurait quelque chose à voir avec la disparition des Julius? C'est le seul lien possible, logiquement. Et s'il remontait jusqu'ici? Je n'ai pas de batte de baseball ni aucune autre arme pour nous défendre. Ça fait des mois que je me dis que si je continue à te fréquenter, mieux vaut que j'investisse dans une batte de baseball. Oh! Mon article sur la famille Julius sera dans le journal de demain et il pourrait s'attaquer à moi. Oh. Eh bien, Martin va me donner des cours d'autodéfense. Tu viendras? Oh, d'accord, ouais. Lequel t'a attaqué, tu crois? L'homme qui a tué la famille Julius ou celui qui ne veut pas qu'on la retrouve? J'en sais rien, et pour l'instant, j'évite les théories. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es une championne des théories. Je sais, j'en échafaude pour un oui ou pour un non, mais ça ne m'avance pas beaucoup cette fois-ci. Je vais donc attendre une réponse. Vous êtes qui et où est mon amie Aurora? Non, c'est très sérieux. Aucun morceau de ce casse-tête ne s'emboîte correctement. L'homme à la voiture blanche, la perruque du dimanche, le sang dans le placard... Quand j'étais devant ce placard aujourd'hui, j'avais l'impression que la solution à cette énigme allait apparaître tout d'un coup. J'avais la sensation que les corps devaient être encore là. Le tueur ne se serait pas contenté de jeter les corps dans le placard pour qu'ils se décomposent. Oh non! Alors où aurait-il pu les cacher? C'est Martin. Il veut savoir si tout va bien. Salut Martin! Non, je vais bien, mais je ne peux pas en dire autant de Sally. D'accord, Ellie. Merci d'avoir appelé. Je croyais que tu allais aider Aurora et la protéger. Il s'est passé quoi? Ça va? C'était Ellie du poste de police. Elle voulait savoir comment allait Aurora depuis son agression. Elle s'est fait agresser. Je l'appelle tout de suite. Non. Elle ne voudrait pas que je sois au courant. Tu comprends pourquoi je ne peux pas épouser quelqu'un qui encourage ce genre d'activité? C'est beaucoup trop dangereux pour toi, pour elle, pour moi. Tu veux dire que si je ne faisais pas partie de ce club, tu repenserais à ma demande en mariage? Quoi, si je te demandais d'arrêter, tu le ferais? Tiens, j'ai les derniers documents pour la maison. Mais ce dont je voulais vraiment te parler, c'est de ce qui s'est passé... Comment va John? Il a encore le cœur brisé? Lui, il va bien. Mais pas moi. J'ai eu un appel d'Ellie du poste de police. Et figure-toi qu'elle m'a dit que tu avais été attaqué hier chez toi. J'ai dit mais non, c'est impossible. Si ça avait été le cas, j'aurais été la première à le savoir. Donc c'est vrai. Et ça, c'est quoi?
les papiers pour les droits de mutation et ne change pas de sujet. Maman, je ne veux pas te mettre en colère ou te donner une raison de plus de refuser d'épouser l'homme que tu aimes, donc laisse-moi changer de sujet, je t'en prie. Quelqu'un s'en est pris à toi? Je ne sais pas vraiment ce qu'il voulait, peut-être juste m'effrayer, mais je n'ai pas l'intention de lui donner ce qu'il veut. Ça, c'est quoi? L'abandon de l'inspection du toit. Quoi, j'ai renoncé à inspecter mon toit? Ce n'était pas nécessaire. Tissy Julius l'avait fait refaire avant d'emménager. Ce qui veut dire que personne n'est monté sur le toit depuis que la famille a disparu. Tu m'as fait quitter une réunion pour que je tienne une échelle? Non, parce que tu m'as fait promettre de ne pas revenir dans cette maison sans toi. Alors, tu mens ou pas? Elle est incroyable. Je ne vois rien de spécial. Si tu veux échafauder des théories, c'est l'endroit rêvé. Des cadavres sur un toit. Non. Ça n'a rien à voir avec une théorie. C'est purement intuitif. Il y a quelque chose de louche, crois-moi. Attends un peu. Il y a une lucarne à l'arrière de la maison. Ouais. Deux en avant. Et alors? Exactement. Booba a dit que la première propriétaire était obsédée par la symétrie. Elle n'aurait pas fait construire une seule lucarne à l'arrière. Je crois que je viens de trouver la famille Julius. Alors, cette excellente idée de vérifier sur le toit, ça vient d'où exactement? Eh bien, j'ai suivi mon intuition. Si la famille avait été tuée dans le placard, leur corps devait se trouver tout près d'ici. Et quand j'ai appris que le toit n'avait pas été inspecté à l'achat de la maison, j'ai eu envie de tenter le coup. En fait, c'est moi qui dirigeais les recherches il y a 4 ans, et je n'ai jamais pensé à regarder sur le toit. Si j'ai eu l'idée de vérifier cette lucarne, c'est uniquement parce que Booba m'a dit que Madame Zinzer était très sensible à la symétrie. Mais il n'y a pas d'accès par le grenier. C'est une fausse lucarne. Oh, génial. Donc 3 cadavres m'ont échappé et je dois aller l'annoncer à mon chef. 3. Lieutenant Smith, je vais vous parler tout de suite. Est-ce que vous pouvez rester dans le coin? On va avoir besoin de votre déposition. Aurora. Salut, Martin. Mason m'a envoyé couvrir l'affaire. Vous auriez retrouvé les corps de la famille Julius sur le toit? L'un d'entre eux porte une perruque. Alors je crois que c'est Hope Julius. Drôle d'endroit pour cacher des cadavres, je dois dire. Oui, mais pourquoi vouloir... Pourquoi on les a... Je sais, sur... Je crois que le moment est venu de reprendre nos bonnes vieilles théories. J'ai parlé à une fille qui allait au même cours d'anglais que Charity. Elle a dit que... Charity répétait tout le temps qu'elle se marierait avec son copain dès qu'elle obtiendrait son diplôme et que son père ne la reverrait plus jamais. Je crois qu'il faut considérer Harley Dimock comme suspect. Si on avait uniquement assassiné Tissy Julius, peut-être. Mais il n'aurait pas tué Charity. C'était un jeune homme frustré et les jeunes hommes perdent facilement leur sang-froid. Ouais, on est des vrais bombardeurs de morts. Si vous aviez parlé à la mère de Harley, vous sauriez à quel point il a été touché par cette disparition. Il avait peut-être mauvaise conscience. Je crois toujours que la réponse est à Spokane. L'homme à la voiture blanche. Attendez, j'avais compris que John devait y retourner pour se renseigner, non? Il est où? J'en sais rien, mais je vais le trouver. On est tous convaincus que l'homme à la voiture blanche est de Spokane, mais... ce n'est qu'une supposition de Madame Totino. C'est peut-être faux, après tout. Je n'avais pas pensé à ça. Moi, je dis qu'il faut quand même retourner à Spokane pour s'en assurer. Oui, je devrais reparler à Madame Totino. Oh... pauvre Madame Totino, je me demande comment elle a pris la découverte de sa famille. Allô, John? Est-ce que c'est toi? Mais pourquoi tu chuchotes? Parce qu'Aïda n'est pas loin. Non, je ne peux pas aller à Spokane aujourd'hui. Peut-être dans un jour ou deux. Et la dernière théorie d'Aurora. Avec qui tu discutes? Sally?
D'après Lynn, il faut une autre semaine pour les résultats du test d'ADN fait sur les corps et le sang dans le placard. Alors, en attendant, je pourrais refaire un saut à Spokane et voir si je peux trouver quelque chose sur l'homme à la voiture blanche. Et la police n'est pas déjà en train d'enquêter sur cet homme ? Eh bien, elle l'a cherché il y a 4 ans. J'ignore si elle le cherche de nouveau. Pourquoi perdre ton temps si la police n'a rien trouvé il y a des années ? Oh, j'en ai parlé à Aurora Tea Garden et à d'autres personnes, et on pense que c'est peut-être... D'autres personnes ? Comme des accros au crime du club des amateurs de meurtre ? Comme eux, c'est vrai. Sally, j'aime l'esprit d'initiative, mais on couvre l'actualité. Et notre source de renseignement, c'est le service de police, pas votre club et ses hypothèses. D'accord. Va parler au lieutenant Liggett Smith. Si elle dit que l'enquête va se poursuivre à Spokane, alors tu as le feu vert. Ça me va. Parfait. Booba, bonjour. Je voulais justement parler à Madame Totino et lui présenter mes condoléances. Oui, mais elle n'est pas là. Quoi ? Apparemment, elle a fait ses valises et elle est partie dans la nuit. Oh, et tu savais qu'elle partait ? Non, on avait rendez-vous pour signer des papiers et elle n'a pas annulé. J'imagine que la découverte des corps a dû la bouleverser. Oui, évidemment. Eh bien, je n'ai plus qu'à lui envoyer ça à Portland. Content de t'avoir vu. Moi aussi. Un instant, Booba ? Ouais ? Tu pourrais me donner son adresse à Portland ? Je voudrais lui envoyer une carte. Ouais, bien sûr. Je te l'envoie par texto. Ok. Salut. Oh, Martin, salut. Salut. J'ai eu ton message. Où est-ce que tu vas ? Tu quittes la ville ? Je vais à Portland, chez Melba Totino. Mm-hmm. Pas question que tu y ailles seule. Je viens avec toi. Alors, Madame Totino vit ici avec sa sœur ? Alicia, oui, c'est l'adresse que Booba m'a donnée. Je me demande laquelle des deux fait du vélo. Oh, eh bien, j'imagine qu'Alicia doit avoir des petits-enfants. Oh, salut, moi je m'appelle Aurora. Mon chéri, combien de fois je te l'ai dit ? N'ouvre pas la porte aux inconnus ! Je peux vous aider ? Oui, on cherche Melba Totino. Qui ? Oh, désolée, je croyais que c'était l'adresse de Melba Totino ou de sa sœur, Alicia Mino. Alicia, oui, c'est sa maison. En fait, je la loue. Mais Alicia et sa sœur ne vivent plus là ? Non. Alicia récupère son courrier ici et je crois en avoir vu passer au nom de Totino aussi, mais mon fils et moi, nous vivons seuls tous les deux. Vous venez d'emménager ? Non, on habite ici depuis 4 ans. Oh, au moment où les Julius ont disparu. Est-ce que vous savez où on peut trouver Alicia ou sa sœur ? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je ne vois jamais Alicia. Celui qui s'occupe de tout s'appelle Drew, son homme à tout faire. Il vient chaque semaine prendre le courrier et faire des réparations. Mais je ne l'aime pas, il hurle sur mon fils. Vous communiquez comment ? Par téléphone. Je vous donne son numéro ? Oui, ce serait vraiment très gentil. Bien. Ce n'est peut-être pas une bonne idée de l'appeler. Si tu poses trop de questions, il va certainement te raccrocher au nez. On aurait sûrement plus de chance en personne. Dites-moi, que diriez-vous d'un petit accident qui oblige Drew à venir jusqu'ici pour réparer les dégâts ? On peut bien entendu vous dédommager. Vous n'aurez pas à me payer. Ça me fera vraiment plaisir de jouer un mauvais tour à cet homme. Quand je pense qu'il traumatise les enfants. Alors, on se garde tout prêt et on attend qu'il arrive ? Oh, mais mademoiselle, une filature, c'est bien plus excitant que ça. Ah, vraiment ? On donne des cours de filature à l'école d'espionnage ? Oui, et l'art de la filature, c'est primordial pour un espion. Ah, c'est vrai, alors apprenez-moi les ficelles du métier, monsieur. C'est une technique de base en filature. Alors, il faut s'enfoncer dans le siège... Qu'est-ce que t'en dis ? Je sais pas trop. C'est pas pour les débutants. Ce sont de grands experts de l'espionnage qui l'ont mise au point.
pour que les espions ne soient pas repérés par ceux qu'ils surveillent. Sauf qu'il y a un léger souci avec ta technique, parce que comme ça, j'ai beaucoup de mal à voir celui que je surveille. On peut rectifier le tir avec la deuxième technique. On se redresse doucement. Oh, pour être honnête, les filatures sont tristes à mourir, et c'est pour ça que j'ai changé de métier. Non, je trouve ça plutôt pas mal, moi. C'est gentil d'être venu avec moi. Et merci pour tous ces précieux conseils d'espion. Oh, tu parles de ces petites leçons apprises à l'époque sur le terrain. Eh bien, grâce à toi, je peux voir ce mystère sous un nouvel angle. Je suis très content d'avoir pu enseigner quelques techniques à un fin limier. Oui, mais à cause de la première, je me suis fait un torticolis. Oh, non. Oh, c'est cette camionnette. Aucun doute, c'est celle qui m'a suivie de la bibliothèque jusqu'à chez moi. Oui, tu as raison. On peut dire qu'elle a fait du chemin. Lorenston est à plus de 300 km. Ça doit être l'homme qui m'a attaqué. Ouais, je vais lui donner une petite leçon. Non, attends. Je l'ai déjà vu. C'était sur une photo que Sally m'a montrée. C'est Harley Dimmock, c'est celui qui sortait avec Charity. Mais alors, c'est lui qui s'en serait pris à moi. Pourquoi ? Je vais lui demander. Non, il faut d'abord réfléchir. Alors, si Harley travaille pour Alicia, la sœur de Madame Totino, ça veut dire que Harley aurait tué la famille Julius et convaincu Madame Totino de se taire pour toucher l'argent de l'héritage. Peut-être que Madame Totino va partager l'argent avec sa sœur, mais pourquoi Harley aurait tué la femme dont il était amoureux ? Aurora, tu recommences avec tes théories. C'est vrai. Au diable les théories, on veut des réponses. D'accord. On va gentiment attendre qu'il s'en aille et on va le suivre. À vos ordres. Oh, lieutenant Smith, vous avez une minute ? Non. Ok, Lynn, vous êtes débordée, mais moi aussi, et Mason veut que je fasse un suivi de l'affaire tous les jours. C'est pas mon problème. Je crois au contraire que c'est votre devoir d'informer le public des progrès qui sont liés à cette affaire. Dès qu'on trouvera quelque chose, je vous tiendrai au courant. D'accord, écoutez, pourriez-vous au moins me dire si vous comptez rechercher l'homme à la voiture blanche à Spokane ? Aussi fou que ça puisse paraître, notre mission, c'est d'abord de confirmer l'identité des corps et ensuite, voyons voir, trouver la cause des décès. Quand je vais vous citer, comment je pourrais décrire votre ton ? Je dirais frustré. Officieusement, cette affaire est vraiment dure à avaler pour moi parce qu'elle aurait pu être résolue il y a longtemps si j'avais creusé davantage et je n'ai pas l'habitude de me remettre en question et c'est humiliant. Et je n'arrive pas à croire que je vous ai dit ça. Moi non plus. Si vous imprimez un seul mot de tout ça... Lynn, oh. Le capitaine Burns veut te voir tout de suite. Le légiste vient d'appeler. C'est très étrange. Avec cette nouvelle information du légiste, la surprise est totale. L'affaire prend de plus en plus d'ampleur. Ouais, c'est vrai. C'est sûr que ça change complètement la donne. Bien essayé, Sally. Tu es de plus en plus tenace, ce qui est une qualité pour une journaliste. C'est vrai, tu trouves ? Oh oui, absolument. Ton patron sera fier de toi. Oh, merci, Arthur. Au revoir, Sally. John, c'est Sally. Je suis au poste de police et le légiste a fait une découverte, mais je n'ai pas compris ce que c'était, donc je fais quoi ? Que ferait Aurora ? Je pense qu'elle irait parler au légiste. Le master joue au golf avec lui. Je l'appelle et on se voit au bureau du légiste. Le bureau du légiste ? Moi qui croyais que tu avais laissé tomber. Aïda, je t'adore. Mais résoudre un mystère, c'est une passion à laquelle je peux difficilement résister. Dit que Harley vivait à Vancouver, dans l'état de Washington, et de l'autre côté de la rivière, il y a Portland. Et ça aurait dû m'interpeller. Il vit à deux pas de chez Madame Totino. Ou plutôt, où tu croyais qu'elle vivait ?
Mais c'est vrai, et on ne sait toujours pas où elle se trouve. Si tu ne me laisses pas lui donner une correction, appelle au moins la police. Elle va pouvoir l'arrêter et l'interroger. Oui, c'est sûrement la meilleure solution. Qu'est-ce que tu en dis ? J'appelle la police locale ou bien Lynn ? Oh, ça y est, leur voilà. Allez, on le suit. Non, non, attends. Laisse-moi ici. Quoi ? Comment ? Et pourquoi je te laisserai là ? Parce que je veux inspecter les lieux. On ne sait jamais. Il y a peut-être des indices qui pourraient m'indiquer où se trouve Madame Totino ou sa sœur. Non, il n'est pas question que je te laisse là. Oui, mais si tu ne lâches pas Harley d'une semelle, il ne m'arrivera rien. Et tu pourras lui régler son compte sans que je t'en empêche. Ouais, c'est tentant, mais... T'as vu, il s'en va. Allez, suis-le. Dépêche-toi, il va te semer. Espèce de petite... Ted, on venait justement te voir. Comment ça va ? Oh, le Master. Heureux de te voir. Je suis plus occupé que d'habitude et un peu perplexe. C'est pour ça qu'on est là. Tu te souviens de John qui joue aussi au golf ? Oui, bonjour John. Ted, content de vous revoir. Et voici mon amie Sally Allison, qui est journaliste. Mademoiselle Allison, oui. Je vous ai déjà interviewé, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Sally arrive du poste de police et il paraît que tu as fait une découverte surprenante. Oh, ils ont déjà divulgué l'information ? Oui, le lieutenant Liggett Smith a dit que cette découverte allait tout changer. Eh bien, c'est en partie vrai, en tout cas. On sait déjà que les deux premiers squelettes sont ceux d'un homme et d'une femme d'âge mûr, ce qui concorde avec Tissy et Hope Julius. Et le troisième squelette ? Ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait. Le troisième, ce n'est pas du tout celui d'une jeune femme comme on l'imaginait. Il appartient plutôt à une femme âgée. Quoi ? Mais ça n'a aucun sens. Oui, ce n'est pas du tout logique. Bon, on m'attend à la morgue. Il faut que je trouve le moyen d'identifier cette femme. D'accord. En tout cas, merci pour tout, Ted. Merci. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes Charity Julius, n'est-ce pas ? Je sais pas de qui vous parlez. Non, attendez ! Non, je sais que c'est vous. Vous êtes Charity, je vous ai vue en photo. Mais vous êtes censée être morte. Vous êtes complètement folle ! Non ! Non ! Ouvrez ! Charity ! Ouvrez cette porte ! Vous auriez pas dû venir. Vous avez tout fait rater. Charity ! Charity, ouvrez la porte ! J'en ai vraiment assez de tout ça. Qui êtes-vous ? Alicia Minot ou Melba Totino ? Charity, ouvrez ! Charity ! Vous imaginez à quel point les gens de Laurenstone seront contents d'apprendre que vous êtes toujours en vie. La ferme, je déteste cette ville. Tout le monde était très inquiet pour vous. J'ai dit la ferme ! Bon, on se voit plus tard chez toi. Les taxis River. Allô ? Harley, reviens tout de suite. Quelqu'un rôdait dehors et m'a reconnu. Je l'ai enfermé dans le placard. Ça, c'est pas mon signe. Je ne sais pas quoi penser. Si ce n'est pas le corps de Charity Julius, c'est qui alors ? Une femme âgée. Peut-être qu'il faut chercher du côté de Melba Totino. Oui, qui sait ?
les gagnantes du Festival des Jardins de Tigard. Alicia Minot à gauche et Melba Totino à droite. Respectivement en troisième et première place du festival annuel, les deux sœurs participent régulièrement au concours horticole. Par contre, Madame Totino est à droite, pas à gauche. À moins que cette femme qu'on croit être Madame Totino est en réalité sa sœur. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Melba, alors ? Elle est toujours là. Qui c'est ? J'en sais rien, une femme. C'est la femme qui a acheté ta maison. Celle dont Alicia veut que je me débarrasse. Alicia ? Qu'est-ce que t'attends ? Tu l'as ? Assurez-vous de ne pas tirer sur l'agent de la CIA qui attend devant la porte. Quel agent de la CIA ? Celui qui m'a aidé à vous retrouver. Non, elle ment. Allez voir. Jetez un œil dehors. Charity, vas-y. Tu crois pas que tu l'aurais vu quand t'es arrivée à la maison ? Y a aucun agent de la CIA ici. Je savais que tu serais là. Heureusement que tu étais là. Alors, voici Harley Dimock. Et elle, c'est qui ? Je te présente Charity Julius. Si Harley essaie de vous convaincre que c'était mon idée, ne le croyez pas. C'est lui qui a commencé à se battre avec mon père et qui l'a frappé à la tête avec un marteau. Et quand ma mère est arrivée pour voir ce qui se passait, il a paniqué. Et il l'a frappé aussi. Et tout ça dans le placard qu'Harley et votre père ont fabriqué. Qui vous a dit ça ? C'est ma tante Alicia. Elle a sûrement pas eu le cran de vous dire que c'est elle qui a voulu supprimer ma grand-mère. Et se faire passer pour elle afin que vous puissiez toucher l'héritage. Et donc vous avez inventé la fausse piste de l'homme à la voiture blanche. Non, ce n'est pas elle qui me l'a dit, vous venez de le faire. Tous les trois étaient déjà morts avant même que Parnell vienne couler la dalle de béton, c'est ça ? Et vous êtes allé dans la cuisine avec la perruque de votre mère pour qu'il vous prenne pour elle. Elle allait mourir de toute façon. C'est ce qu'Alicia disait et ça m'a réconfortée pendant un temps. Bonjour, Lynn. Je crois que vous devriez vous mettre en route pour Portland. Eh bien, figurez-vous que je suis déjà à Portland. Oh, et j'imagine que vous avez découvert qu'un décor est celui d'une femme âgée et non celui d'une jeune femme ? Qui vous a dit ça ? Notez l'adresse que je vais vous donner et je vous raconte toute l'histoire. Merci de nous avoir appelés. Tant mieux qu'on puisse expliquer tout ça, même si c'est difficile à croire. Oui. Une famille qui s'entretue, c'est tragique. La colère peut amener à faire des choses horribles. Et quand il y a de l'argent en jeu, c'est pire. Je viens de parler à la compagnie de taxi et on a des hommes sur les traces d'Alicia Minot en ce moment. Vous parlez de la compagnie de taxi River ? Oh non, continuez, continuez ! Arrêtez-les ! Allez, on descend. Est-ce que vous pourriez prendre quelques photos, oui, tous les deux ?
Alicia Minot, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. Vous êtes fière de vous. Je n'aurais jamais dû vous vendre cette maison. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat sera désigné d'office. D'accord ? Eh bien, à force de vouloir faire éclater la vérité au grand jour, tu as déjoué leur complot. Il ne faudrait pas oublier que j'ai eu l'aide d'un excellent professeur de l'école d'espionnage. Et maintenant, j'ai peur d'être attirée par lui. Non, tu crois ça ? On va discuter de tout ça dès qu'on sera rentré. Tu veux bien ? Avec plaisir. Tu sais, je pense qu'on pourrait être très heureux ici. On ? Non, je. J'ai dit je, non ? Non, ce n'est pas ce que tu as dit. Oh, j'ai dû faire un lapsus, c'est tout. Mademoiselle Teagarden, sachez que vous ne faites jamais de lapsus. Tu sais, je ne t'ai jamais dit combien j'apprécie de ne pas avoir à choisir entre ce qui me passionne et celui que j'aime. Oh, ne t'inquiète pas pour ta mère et John. Tout va se régler. Et même s'ils ne se marient pas tout de suite. Je leur souhaite. Et attends, je rêve ou tu viens de me dire que tu m'aimes ? Rien ne t'échappe, on dirait. Jamais quand ça vient de la femme que j'aime. Je viens de me rappeler. Te rappeler quoi ? La règle qui dit que chaque fois qu'une personne utilise le verbe aimer, eh bien le rendez-vous compte double. On en est maintenant à 25 rendez-vous. Ça y est, on est officiellement ensemble.